motif de reconnaissance ce soir soit élevé. Nous le sommes en face de celui qui est digne d'être élevé. Ce lieu n'est autre que le lieu où il est. Oui, nous venons dans sa présence pour l'élever. Bienvenue là où tu es, tu te trouves, tu te lèves. Oui, là où tu es, tu te trouves, tu te lèves et tu rends grâce au Seigneur. Que tu rends grâce au Seigneur. Nous voulons que, dès la seconde de zéro, oui, que lui seul et lui seul soit élevé. Lui seul soit reconnu comme Dieu en ce lieu. Lui seul reconnaisse, oui, qu'en ce lieu, il y a un peuple. Il y a un peuple qui s'est choisi, son peuple, qui élève les louanges, qui élève les louanges avec lui. Seigneur, sois élevé entre vous, sois élevé en ce lieu. Oui, en ce jour particulier, nous ne voulons élever que toi.
glorifié, sois magnifié, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Il est bon et agréable d'être dans sa présence là. David dit, je suis dans la joie quand mes dix allons dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à dire merci à Dieu pour sa présence, pour cette grâce qui nous fait encore cet après-midi de nous retrouver dans sa présence. Oh, béni soit le nom du Seigneur. 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 Alléluia. Le psalmiste a dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Oui, nous venons avec allégresse en sa présence. Tu peux bien le faire encore en acclamant. Alléluia. Nous voulons le chanter encore dans cette porte avec les cris. Célébrons, venons chanter pour le roi de voix. Sans toi à l'aise de célébrer celui qui est mort et qui est ressuscité pour toi. Sans toi à l'aise de chanter, de célébrer celui qui te donne le souffle de vie, celui qui te donne la paix de santé, celui qui te donne la paix, celui qui bénit ta famille. Entrons dans ces portes avec les cris. Venez chantons pour le roi. Alléluia. Allons-y, gloire à Dieu. Oh.
merci pour ta vie, Jésus. Tu m'as libéré, je veux le chanter. Tu m'as sauvé, je veux le dire. Tu as pris ma place. Tu as fait de moi un enfant de Dieu, un citoyen du ciel. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Ce que Christ a fait, personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Il est digne de notre louange, il est digne de notre adoration, il est digne de notre reconnaissance, il est digne de notre célébration. Même notre louange n'est que petite devant ce qu'il accomplit jour après jour. Même notre reconnaissance ne sera pas vraiment exprimée. Son nom soit loué. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, ça veut juste dire merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais jour après jour. Nous ne serons pas, oh Dieu, exprimés. Reçois nos faibles mots. Reçois notre faible adoration. Reçois ce culte dans ta présence. Reçois ce culte dans ta présence. Nous voulons qu'il soit pour toi. Oui, pour toi. Vraiment pour toi, Seigneur. Alléluia. J'entends le matin.
Tu vas laisser
maison. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste de la ville a dit, voici l'agneau de Dieu. Thank you.
Oh,
Yeah.
mes yeux. En vue. Il y a ton voisin, mes yeux en vue. Alléluia. Mes yeux en vue, excusez-moi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je veux que nous nous asseyons. Nous allons lire juste un passage. Dans le psaume 33. On va. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mais il y a un cantique qui reste saint, saint et éternel. Psaume 33. Nous allons ouvrir le livre dans le psaume chapitre 33. Excusez-moi, je vais chercher. Permettez-moi d'étudier la tabelle. Alléluia. Le psaume chapitre 33, nous allons rapidement lire et puis il faut élever celui qui est dit. Quand il dit qu'il y a sa douleur, pour ceux qui ne comprennent pas le Nicala, que seul Jésus soit élevé. Nous l'élevons au-dessus du serpent des reins que vous avez. Digne d'être élevé. Il est élevé au-dessus de la maladie. Il est élevé au-dessus de tes problèmes. J'aime souvent le dire, avant que ton problème n'existe, Jésus existait déjà. Alléluia. Avant que ton problème ne soit, Jésus était déjà la solution. Il est le commencement de toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Dieu est au contrôle. Dis à ton voisin, Dieu contrôle toute situation. Amen. La Bible dit ceci. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied au son 3. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Enfin, je pensais que tu allais jouer à la guitare. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Oh, vous avez déjà arrêté. Amen. Célébrez l'Éternel avec sur le lutte à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Présence de Dieu, nous ne sommes pas venus voir un homme, nous sommes venus voir Jésus. Jésus à travers les instruments qu'il a utilisés en ce jour. Amen. Et je voudrais te dire, peut-être pour toi c'est la première fois d'assister, tu dis ils sont des fous, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas folles, nous savons qui nous avons cru. La foi est une folie. Dans son cantique, l'homme de Dieu a dit, que ceux qui ne se mariaient pas se marient grâce au nom de Jésus. Ceux qui n'avaient pas d'enfants ont des enfants grâce au nom de Jésus. Ceux qui n'avaient pas de papiers ont les papiers, auront les papiers grâce au nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que tout peut s'accomplir. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, si ce n'est le nom de Jésus. Car la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Nous sommes venus célébrer celui qui vit d'éternité en éternité. Quelle que soit la mauvaise nouvelle qu'on t'a donnée cette semaine, je veux te donner une bonne nouvelle. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que nous avons dit, quitte à Yeshua au combat. Yeshua à gauche, ni Bosso, Nassima, Bakoyon Nassamu. Ils ont vraiment parlé de Jésus. Ils ont vraiment parlé de Jésus. Jésus à gauche, derrière, devant, ils vont entendre parler de Jésus. J'ai pas dit à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je dois le dire maintenant. Tu es un panneau publicitaire. Mais sous toi est inscrit le nom de Jésus. Les gens te regardent sans que tu les charges, tu le saches. Les gens t'observent sans que tu le saches, sans que tu le veuilles, puisque tu es la lumière qui brille dans les ténèbres. Dans ce monde chaotique, dans ce monde où on veut dire la vérité, tu es la vérité qui va briller au milieu des ténèbres. Donc il se met, nous voulons chanter ce cantique. Rends la gloire à celui qui est digne. Alléluia. Dans la salle de nos louanges.
culte d'adoration, de prière. Parce que nous voulons maintenant intercéder. Alléluia. Quand Paul s'est converti, Ananias devait aller prier pour lui. Il a hésité, Dieu a dit, cet homme sera un instrument. J'ai choisi. Oh Seigneur, Seigneur, je veux être cet instrument. Cet instrument de sainteté. Cet instrument qui te loue, qui porte ton nom devant les nations. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à demander cette grâce. Oui, nous avons besoin d'être ces instruments qui portons le nom devant les nations. Nous avons besoin d'être ces instruments. Oui, nous avons chanté pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, nous voulons prier, mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Vous serez mes témoins. Oh Dieu, Seigneur Dieu de gloire, tu as suscité un nom comme Franck Boulage pour faire de lui ton témoin à travers la chanson, à travers les chants. Seigneur, nous tous, tu as donné un talent. Nous voulons le fructifier. Tu as donné à une personne deux, à l'autre trois. La Bible dit selon leur capacité. Oui, nous voulons, Seigneur, être tes témoins. Seigneur, à travers au travail, nous voulons, Seigneur, être au moins pour faire ton service, pour accomplir ta volonté. Non le désir de la chair, non le désir de l'homme, mais le désir de Dieu. Oui, bien aimé, commence à prier. Tu n'es pas venu en concert. Tu es venu en porter ton temps devant le trône céleste. Alors nous élevons nos voix, nous intercédons, intercèdons pour ta vie. Le temps sont courts. Il y a quelques semaines, pour ceux qui suivent l'actualité, on a arrêté un pasteur au Canada. On a donné un témoignage. Je ne sais si c'est vrai, mais tout ce que nous savons, un jour, il a osé parler des choses qu'on ne veut pas entendre parler. Il a parlé des choses. Il a parlé contre l'homosexualité. Et cela m'a coûté ce que cela a coûté. Christ a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des tribulations. Frères, sœurs, loin pour le temps comme ceci. Nous sommes loin, loin pour marcher. La parole de Dieu de ce marchand de pain. Dis au Seigneur, je veux que tu fasses de moi une flamme de feu. Je veux que tu fasses de moi un ouvrier de ton royaume. Je ne pas, il n'y a aucun soldat qui pour plaire à son aide, son malheur, c'est des choses de la vie. Oh Dieu, nous voulons parler de ta part. Nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons parler. Il y a un peuple nombreux à Bruxelles. Il y a un peuple nombreux à Saint-Martin. Il y a un peuple nombreux à Marseille. Il y a un peuple nombreux en France. Il y a un peuple nombreux en Wallonie. Il y a un peuple nombreux en Hollande, en Grèce. Il y a un peuple nombreux. Et nous voulons parler. Nous voulons nous pas nous taire. Nous voulons que le feu brûle. Que le feu brûle. Que le feu brûle. J'ai dit le feu brûlera continuellement sur le terre. Et ne s'éteindra point. Oh Dieu, mets-nous des paroles. Nous ne voulons pas marchander l'évangile. Nous ne voulons pas, Seigneur, marchander l'évangile. Nous voulons que l'évangile de Christ, l'évangile soit prêché. Que le péché soit dénoncé. Que le péché soit dénoncé. Dans tes serviteurs qui prêchent ta parole avec toute entièreté, sans opposition. Oh Dieu, nous sommes dans des temps où l'homme en a entendu les choses incroyables à l'oreille. Mais non, Seigneur, tu nous as pas appelés à faire plaisir au cœur. Tu nous as parlé à dire et dispenser droitement la parole ouverte. Dispenser droitement la parole ouverte. Oh Dieu, des sommets, je ne veux pas trembler. Je ne veux pas trembler. Je veux me tenir et parler de ta part. Ou à moi, c'est ma bouche. Seigneur, donne les paroles qu'il faut. Si nous devons dénoncer le péché, nous allons le faire. Nous allons le faire avec amour. Nous allons le faire, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur. Nous voulons être intransigeants avec ta parole. C'est pour cela qu'Amine pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Comment Jésus a pu entrer dans le temple et chasser les vendeurs du temple. Comment il a pu le faire. Oui, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une maison de voleurs. Vous en faites une maison de marchandage. Vous en faites une maison d'idolâtrie. Une maison de prostitution. Une maison de mensonge. Une maison, oh, une maison de cupidité. Non, non. C'est pas ça quoi tu nous as appelés. Où est les anciens? Où est les diables? Où est ton père? Seigneur, nous avons besoin d'une parole véritable. Oui, lorsque tu as parlé, tu as dit celui qui ne croit de mon sang et ne mange de ma chair ne peut vivre. Plusieurs disciples ont décidé. Ils ont dit cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut la comprendre? Qui peut la comprendre? Et nous sommes dans un temps où, Seigneur, les gens.
auront les démangeaisons, d'entendre les choses qui sont accueillies dans leur main. Les gens auront les démangeaisons, d'entendre les choses qui leur cachent. Mais Seigneur, nous voulons rester dans le plomb sur ta parole. Nous voulons rester dans le plomb sur ta parole. Oh, oh, le mandaré caboché la mousse. Mandaré au sac à la mousse. Arrête maintenant pour le rocher. Nous allons renverser tout attaque de l'ennemi contre cette église. Nous allons condamner. Nous allons briser. Et faisons des prières déjà. Des prières préventives. Des prières préventives. Le diable n'est point là. N'est pas loin. Il est en train de voler comme un lion rugissant. Cherchons qui va être dévoré. Priez pour votre pasteur. Priez pour les anciens. Priez pour la retour. Priez pour les diables. Priez pour la famille. Que les diables ne le touchent pas. Priez pour les responsables des départements, priez pour les ouvriers, priez pour Papa Franck, priez pour son épouse, priez pour leurs enfants, qui auront besoin dans ce temps où le diable veut déstabiliser les familles, dans ce temps où le diable veut emmener les gens en échec. Priez mon frère, ouvre ta bouche, priez, tu fais bien de prier, tu fais bien d'intercéder, priez mon frère, la vie de se cacher en nous.
de jeunes qui vont aller en retraite ce lundi. Nous voulons que le Seigneur les assiste. Qu'ils sortent autrement, différemment, touchés par l'esprit. Nous voulons voir les choses qu'ils n'ont jamais vues. Qu'ils entendent les choses qu'ils n'ont jamais entendues. Qu'ils entrent dans la dimension dans laquelle le Seigneur les attend. Est-ce que tu peux aimer t'avoir prié pour la jeunesse? Demande au Seigneur de toucher ces jeunes. Demande au Seigneur de visiter ces jeunes. Demande au Seigneur d'amener un plus dans leur vie. Car la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. Équipés par l'Esprit de la grâce. 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 Dieu touche, visite, touche. Nous ne voulons pas un programme stéréotypé. Nous voulons pas l'Esprit de la grâce. Visite. Seigneur, qu'il t'accorde et qu'il n'atterrisse plus. Qu'il t'accorde et qu'il n'atterrisse plus. Oh, arrête. Nous allons prier. Nous allons prier, frère, pour les 6 mois qui nous restent. 6 mois déterminants. 6 mois, frère, où nous voulons voir les choses selon les plans divins. Nous ne voulons pas nous attendre à un an. Nous avons dit, c'est l'année, frère, où nous devons prêcher Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Nous avons eu 6 mois de théorie. Maintenant, c'est 6 mois de pratique. Nous allons prier, frère, afin que Dieu étende nos limites. Que Dieu nous donne de parler avec lui, avec zèle. Que les départements, les femmes, les départements des hommes, les départements des couples, les départements, chaque département soit des départements réveillés, accomplissant la volonté de Dieu. Alors élève ta voix et prie, prie frère, prie mon frère, prie ma soeur. Nous avons besoin que les couples puissent être des couples réveillés. Que les mamans soient des mamans réveillées. Que le feu de Dieu brûle en nous. Certains sont déjà allés en vacances, d'autres iront en vacances. La Bible dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Que le mois d'août, le mois de septembre, pour ceux qui vont au mois de septembre, soit un mois où le Seigneur vous garde de tout accident, de tout incident. Que la bonne main de l'Éternel soit avec vous. Vous qui prendrez les avions, le véhicule, le train, le bateau, je ne sais pas. Vous qui allez dormir, qui allez faire le camping, vous qui allez, je sais pas, aller dans un hôtel, je ne sais pas où. Que le Seigneur puisse vous accompagner. Est-ce qu'on peut prier, demander, déclarer. Il faut que la bonne main de l'Éternel soit avec vous. Il faut que la bonne main de l'Éternel soit dans votre projet. Merci Jésus. Merci Père. Merci parce que c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous compte. C'est toi Jésus. C'est toi, Prince de Père. C'est toi, la voix de gloire. C'est toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier enfin pour notre culte de ce dimanche. Ce dimanche. Que l'Esprit de la grâce soit là. Nous allons recevoir un invité, le pasteur, le docteur Marcel Momoko, pasteur responsable de l'église Centre évangélique La Bannière à Barumbu.
celui qui va nous apporter la parole et nous voulons être bénis de sa parole. Maman Guette, que le Seigneur la voie davantage. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Demandons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Le Dieu puissant soit parmi nous. 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 Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Il est là. Il est présent. Alléluia. Tu es présent parmi nous. Alléluia. Dieu puissant. Ô le Saint. Tu es présent parmi nous. Gloire, nous sommes et nous sommes. Alléluia. Thank you.
plus spécialement, le Seigneur nous a envoyé son serviteur, Papa Franck Moulage, ainsi que son épouse, Maman Lubiche, qui vont se tenir debout, nous voulons les accueillir. Et remercier le Seigneur pour leur ministère. Donc accueillons-les bien. Ils sont pas venus, ils sont venus accompagner d'une soeur, elle va se tenir debout. Je n'ai pas eu le temps de retenir son nom, c'est la soeur Karine, tenez-vous debout. Amen.
portes l'étendard du Seigneur haut, alors que le Seigneur continue à leur ouvrir les portes, qui continuent à être des témoins vivants de ceux qu'ils ont connus il y a longtemps dans leur vie. Seigneur, nous sommes en train de prier, étendons nos mains et bénissons-les. Bénissons-les. Seigneur, nous prions pour leur ministère. Nous prions, Seigneur, Dieu de gloire. Toi qui les as tirés des méandres de péché. Toi qui les as tirés du méandre de la foule. Père éternel, je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Que ta bonne, la main de l'éternel, la main qui les a qualifiés, la main qui les a mis à côté, continue à se manifester dans la vie. Éternel Dieu, tu ne veux un homme pour mon Dieu, ni le fils de l'homme pour te dévoiler. Ce que tu as dit à ton serviteur, ce que tu as dit à ta servante, Seigneur, accomplis les désirs, le moins des désirs de leur cœur. Seigneur Dieu des armées, exauce-les, car tu es l'alpha et l'oméga de leur vie. Le demain, si toi tu le permets, Seigneur Dieu de gloire, tant qu'ils sont vivants, qu'ils sont Seigneur, qu'ils louent ton nom, qu'ils exaltent ton nom, qu'ils parlent de toi, ouvre les portes qui étaient fermées. Seigneur, continue, Seigneur, qu'ils aillent au-delà de tout attente. Seigneur Dieu de gloire, amène-les encore dans d'autres sommets, dans d'autres dimensions, dans l'intimité avec eux. Seigneur, que les conduits qui viendront, Seigneur, qui chanteront, viens du trône céleste, viens de la cuisine divine. Seigneur, communique le Seigneur ta parole à travers la musique. Au nom de Jésus. Nous levons nos mains alors que, Seigneur, nous bénissons ce temps. Un temps, Seigneur, combien précieux dans ta présence. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous sommes venus voir le Dieu qui est capable d'agir dans nos vies. Seigneur, nous voulons abandonner ce peuple assoiffé qui est venu dans ta présence. Nous quittons, Seigneur, celui la tête haute, nos corps fortifiés, dans ta douce et bonne présence. Seigneur, arrose-nous davantage. Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire des espoirs. Nous prions pour la réunion des couples qui aura lieu demain. Nous prions pour la réunion de la jeunesse qui aura lieu demain. Nous prions, Seigneur, aussi pour la réunion de l'intercession qui aura lieu demain. La répétition, que la bonne main de l'Éternel fasse, Seigneur, ce qu'elle doit faire. Au nom de Jésus. Amen.